Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Avec même plaisir, même l'amour, yon l'autre fois encore, moins trouvé, maintenant micro unisson noir. Moins poté, yon l'autre vidéo d'information pour nous. Dans la vidéo ça, nous prenons le palais du dossier chef gang 400 Marozois. Nous connaissons, dans le moment, nous parlons là, trouvé aux États-Unis d'Amérique, la prépondre question, la justice américaine. Hier, monsieur t'est passé devant un juge qui s'est dit, nous prenons le poté détail pour un petit moment. On a profité de l'occasion pour nous dire, méfieux de une série de bagages qu'on attendait sur les réseaux sociaux, les gars d'où yon didi, c'est yon didat, etc. Yon cité non X, yon cité non Y. Rete connecté avec Unisson nous, c'est là où on a besoin de bonnes informations. Bagay yo pas fait, je que moun yo pense là. On est yo beauté aller avec les États-Unis avant hier, puis je dis à la moun qui tape dou, mais moun monsieur cité. Ça, les amis, méfiez-nous, mais vraiment, c'est yon moun yo dia, c'est foulay. Ok, donc restez connectés avec Unisson nous là, on a besoin de bonnes informations. Nous pas pressé, mais depuis nouvelle là, nouvelle, tout bon. Nous pas négliger potel pour. L'autre nouvelle, mesdames et messieurs, dossier insécurité dans Port-au-Prince ou bien dans zone métropolitaine d'un pays, la police nationale d'Haïti dit li mener une opération de déblayage là et plus de peur que de mal selon ça. La police nationale d'Haïti dit ah ben yo reprend contrôle yon série de zones là et activité yo commencer à reprendre même si c'est timidement. Gagne un bureau avocat ou bien collectif avocat cap défendre droit moun yo dans pays d'Haïti qui était organisé en conférence de presse jodi a yo dénoncé situation moun cap vive la peine yo a vive là yo dénoncé mesdames et messieurs comportement autorité yo pas prendre responsabilité et surtout qui fait silence là ou ap chercher yo ak baleine ou pas ka joine yo ou ap poser tête question est-ce que pays ça les gens qui cap dirigent. Nous portons vraiment plusieurs autres informations pour qui tiennent près quelques secondes seulement pour nous capables de remercier, pour nous dire merci parce qu'on reste connecté avec Unisson. Merci parce qu'on fait une confiance. Merci parce qu'on continue à faire chemin avec nous. Nous restons environ 1000 nouveaux abonnés pour nous passer à 400 000 sous pourquoi abonner avec Unisson. Donc, bonne love là, Kounia. Mais que j'en pouvais là, les bons côtés. Nos chaînes Unisson, nous n'avons pas espace rouge, ça, maquis s'abonner ou bien subscribe en anglais, cliquez sur lui. Une fois fin cliquez gon cloche cliquez sur cloche là tout si ça pas déranger non comme ça nous pas jamais rater pièce vidéo que n'a gain pour ne poster sous plateforme ça avant que nous arrivions sous dossier yon mesdames et messieurs on invite au garder vidéo ça que la police nationale d'Haïti a publié et sous compte li les amis pour le capable montrer comment yo reprend un contrôle en série de zones en li pour pendant on regarde vidéo ça la police nationale d'Haïti fait connait que opération dénicher bandia a déblayé l'aria avec déblayé l'aria après possible non, la plaine. Yo fait connaître divers agents unités spécialisées dans la police nationale là, dans cité Doudoune, matin mercredi 4 mai, hein, pour traquer bandits, craser caillou utilisé comme cachette pour ses armes et munitions, yon façon pour terroriser une population. Donc la police nationale d'Haïti fait connaître un pile agents unités spécialisées qui étaient déployés là dans ces zones et passer la caillou etc. pour être comment capable arrêter des nègres qui cachaient dans ces zones là pour capable terroriser une population. Police nationale a fait qu'on est bandits tiré sur la police. Dans échange coup de zam, il y a plusieurs qui tombaient, il y a ça qui blessé et puis plusieurs autres qui chappaient pour lui à cause de puissance force l'audio déployé pour reprendre contrôle situation. Dans niveau Kafou Marassa, selon ça, la police nationale d'Haïti dit Pontabar, dans niveau Kafou Marassa, Pontabar, la police l'a campé en bandition pour empêcher criminels toute plume et continue à faire brigandage sous paisible citoyen qui voulait vivre dans la paix avec tranquillité. Directeur général AI Police la France LB renouvelé engagement pour le croiser bandit débarrer route pour la vie capable reprendre dans la plaine les amis c'est ça une police nationale là on fait qu'on est opération dénicher bandit avec déblayer l'aria à continuera possible dans divers quartiers bandit pensez au capable imposé comme mes et yo publié des vidéos nous capables les amis c'est comme ça c'est comme ça matin la police nationale d'Haïti avec fait moyen que le gain
continuer à faire effort. Moi-même, bat bois. Franchement, bat bravo pour monsieur. Hein? Monsieur qui a parti dans l'opération. Parce que, je dis à là, dans ça que nous vivons là, un policier qui a courage li déployer dans la zone là, c'est parce qu'il a courage. C'est parce qu'il risque de ville. On va pas parler de l'autre nèg d'après de l'autre affaire bandit gang yo, mais un policier qui connaît 400 marozo dans la rue dans Croix des Bouquets chez méchant dans la rue dans Croix des Bouquets et puis policier ça malgré yo pas gagne moyen li déployer dans zone là malgré il pas fait arrestation malgré il pas fait rien malgré il pas arrêté bandit croyez-moi sinon son héros que li et malgré tout s'entendez on s'est donné abdi de police ça. Ouais, si n'bat gen police nationale d'Haïti. Si n'bat gen police nationale d'Haïti, nous t'es mêlé déjà. Tout le temps d'autant des gangs à parler et cetera. C'est respect. Ti ça que nous gen comme police là que yo gen qui fait pays sale pas fini déjà les amis. Donc, contrairement avec un série de politiciens surtout les a fait brigandage dans la rue sous base y a fait politique ben moi-même, moi crois que la police nationale d'Haïti a demandé pour que nous encourager parce que c'est la seule force que nous avons là, même si les amis, faut nous admettre que nous avons dépassé par les événements. Ok, donc bravo la police nationale d'Haïti. Continuez, faites effort. Continuez. Dans la limite, vous n'êtes pas capable, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas capable de demander. Ça que li paga. Parlons de sécurité, parlons de kidnapping, parlons de gang cap la ite ko dans pays d'Haïti. Faut que nous dou kidnapping nan li retourne là pour la plus belle. Semaine passée à nous songe li était arrêté un diplomate dominicain. Bon, heureusement il était libéré monsieur, il était demandé 2 millions de dollars américains pour te libérer. Bon, information circulée, yo pa konnen combien kob que yo bail pour libérer monsieur, mais monsieur li libéré. Ben là yo kidnappé et deux autres moun encore, deux moun qui a travaillé dans l'état, qui a travaillé dans bureau secrétaire d'état intégration moun qui handicapé jusqu'à maintenant moun sa yo nommé bandi yo. Toujours dans ça qui a rapport avec bandi, mesdames et messieurs, dans ça qui a passé là en pleinement gain près de 50 moun qui ta mouré. OK, il près de 50 moun qui ta mouré, gain pile en pile l'autre qui blessé les amis selon les chiffres cap vini là de temps en temps. Nous connaît son zone c'est gek te gagné, il pas facile pour vérifier ba yo, mais selon information cap circulé, gagné plus d'une quarantaine de moun qui mouré, donc près d'une cinquantaine dans zone en pleine. Donc ou même qui gagne moun qui t'a vive dans la plaine sous pas tande yo essayer chercher gain nouvelle les amis. Concernant Yon, nous connaît qui trouve actuellement dans pays États-Unis, monsieur t'est comparé devant un tribunal dans Washington hier mercredi 4 mai les amis. Selon ça, voit de l'Amérique fait qu'on est leader gang 400 Marozo, hein, Germaine Jolie, alias Yon, qui a 29 l'année, monsieur te comparé devant un tribunal dans Washington, journée mercredi, qui était 4 mai. La justice américaine a accusé monsieur ensemble avec trois autres individus d'est-ce que yo te comploté pour violer loi qui contrôlait sa États-Unis exporté, commettre fraude contre États-Unis, trafic et contrebande et puis fait blanchiment d'argent. Donc si yo t'a posé aux questions, yo t'a demandé qui ça les États-Unis reprochaient yon, ah ben dit moun yo répond que les États-Unis ou bien la justice américaine reprochait monsieur avec plusieurs autres individus qui ont nationalité haïtienne comme quoi violer le roi et qui contrôlait sa États-Unis à exporter yo et non fait contrebande et puis blanchiment d'argent etc. Selon voix de l'Amérique, c'est Mathieu Grève qui s'est procuré gouvernement de Washington avec George Piro, qui c'est agent spécial FBI et qui c'est Bureau fédéral investigation États-Unis qui gérait Bureau agence là dans Miami qui a annoncé nouvelle là mercredi. Donc c'est procuré avec agent spécial FBI qui gérait Bureau agence là dans Miami, c'est eux qui baillent nouvelle que n'a baillé là.
L'autre moun yo accusé ensemble avec yon yo, c'est Elion Tunis qui gagne 43 ans, qui c'est un citoyen américain qui était Pompano Beach, Floride. Jocelyn Dorn, 29 ans, yon citoyen haïtien qui habitait dans Orlando, Floride. Et puis Walder Saint-Louis, 33 ans, yon citoyen haïtien qui vive Miami. C'est l'autre moun sa, mesdames et messieurs, qui ont accusé ensemble avec yon. N'a pas rappelé. Moun sa aucune cité là, c'est des moun qui ont été arrêtés il y a quelques mois déjà et aux États-Unis d'Amérique. Ben c'est là il a fait enquête, il a posé moun sa question, il a fouillé ça dans le téléphone, yo joine que citoyen ça était en contact et constant avec yon ça, alors que citoyen ça yon lui-même li était en prison. Accusation la justice américaine dit entre septembre à novembre 2021. Monsieur yo t'es comploté pour yo acheter ak founi zam ak munition bay gang 400 marozoa dans pays d'Haïti. Accusation dit que vers 12 janvier 2021 400 marozo t'es kidnappé ak zam citoyen américain qui était kembe pour rançon. On parle de accusation, on a parlé de la justice américaine. Donc ça yo reproché mon ça parti qui a poursuivi yon avec l'autre individu. Ça yo fait qu'on est, mesdames et messieurs, sorti septembre ak novembre 2021, monsieur te comploté pour yo acheter ak founiza ak munition bay gang 400 marozo en Haïti. OK? Est-ce que nous entendez? Il était connecté n'a vinn avec plus de commentaires tout à l'heure. Pendant audience qui t'a faite devant le juge fédéral américain, Robin Mary Reeder, avocat états-unien Karen, donc moun qui représente l'État, ak avocat défenseur, avocat cap défense yon yon, t'es décidé pour monsieur capable rester dans prison sans caution parce que li commet yon crime ak yon li commet yon gros crime, yon crime qui est grave avec zam dangereux et parce que il y a en pile chance si ou ta libéré monsieur sous caution pour que monsieur mta échappé poule. Yon à travers avocat li te mettel d'accord pour que pour sa fête, pour que yo kembe en prison. Et juge l'a dit, s'il change l'idée, il est toujours capable de voyer une pétition par le tribunal là. Donc, il est capable de demander, il est capable de faire demande à la tribunal là pour que capable, ouais, si il est capable de libérer sous caution. Akizé a demandé tout pour États-Unis notifier officier consulat. Hein? Est-ce que vous entendez? Yon mandé pour États-Unis notifier officier consulaire ambassade Haïti yon en Washington que li nan prison aux États-Unis d'Amérique. Consul haïtien, oui, ça le mandé ça. C'est parce que consul haïtien ka aidé monsieur Joine yon avocat, li capable aider le communiquer avec famille et puis vinn visiter li nan prison. Est-ce que yon mérité tout ba ça? En vérité, moi pas connais. Concernant question extradition, je vous l'ai rappelé que États-Unis étaient extradé yon m'a dit qui s'est passé là, sorti Port-au-Prince dans un avion spécial FBI pour tal avec lui aux États-Unis d'Amérique. La justice américaine dit que police nationale d'Haïti a été aidé dans le cas de ça. Pendant audience mercredi, audience qui fait hier, juge là, avocat yo Akizia avec un interprète monsieur Guigné t'es discuté sous détention en caution avec prochain audience là. Loi pays États-Unis mandé pour Akizé comparaître devant la justice vite et pressé. Cependant, à cause Kajemina compliqué en pile d'après la justice américaine, avocat gouvernement mandé pour yo faire une exception et ba yo jusqu'à 8 juillet pour capable préparer pour prochain paraître devant un tribunal là. Avocat États-Unis dit qu'il y a plus passé 5000 documents comme preuve contre monsieur contre yon et que Kassa pral prend temps pour réviser et tout bagaille. Est-ce que nous bien entendu? Donc pour ça, il dit il y a pas de temps donc monsieur en détention, il pral analyser dossier et puis rendez-vous juillet. Concernant le kidnapping citoyen américain. D'après la justice américaine, Germine, donc Yon qui était fermé en prison en Haïti depuis l'année 2018, c'est un leader gang 400 marozo. La justice dit, monsieur t'a dirigé opération gang là depuis en prison. Côté, il était servi à téléphone cellulaire sans aucune supervision.
Gang Gatsama Ozoa te réclamé. Nous songez ça, mesdames et messieurs. Yo te déclaré, c'est yo qui te kidnappé 16 citoyens américains avec un citoyen canadien dans la saison entre août et octobre 2021. La justice américaine toujours a mené enquête sous Kassa et yo pourquoi arrêter ni accuser officiellement un coupable. Yo. Prochaine audition, Jacques Nsot dit là, mesdames et messieurs, y a attendez yon yon. Hein, juge là, attendez yon yon, 17 mai, cap à vin là, 2h30 PM. Audience ça, c'est pour yon audience préliminaire côté acquisia. Donc yon yon, abgain, soit pour le plaider coupable ou bien pour le plaider non coupable. Mesdames et messieurs, et le ça, y a gagné pour yon capable de discuter. On sait de l'autre détail sous dossier ça. Après 17 mai, rendez-vous, l'icassé pour 8 juillet, cap à vin là. Le map li détail ça yo yon nan bay ki yon nan bay ki intéressé ouais ça va passer là yo supposé bon c'est pour moi une leçon pour radoter ça yo que nous gagne dans justice haïtienne là qui dit yo c'est juge etc. c'est gros juge bah. Vous entendez États-Unis d'où comme ça ou bien juge la tribunal là d'où comme ça ou bien avocat l'état d'où comme ça yo gagné près de 5000 pages. Hein? 5000 pages. Vous comprenez? Qui prouvait que il n'y a pas arrêté citoyen ça pour graver ça. Est-ce que vous bien entendez les amis? Avocat, fait qu'on est, il y a gagné près de 5000 documents comme preuve qui prouvait que monsieur. C'est pas un innocent que lié donc il n'y a pas arrêté le programme. Même dans le pays d'Haïti, comment nous faire justice, comment nous faire enquête, on juge d'instruction, chita dans le bureau, chita relé tel ou tel individu qui est accusé, hein, que vous accusez, comme quoi il t'a commis tel ou tel crime, sans aucune enquête, juge l'a pas sorti dans le bureau, etc. Et puis après les gens viennent répondre à une question. C'est comme si juge l'apparaît, son QCM qui de. Que le poser devant. Après, pour ne pas oui, pas non. Et puis, en fonction de son pral deal, li pral fait enquête ou bien li pral rendre une ordonnance. La justice pas fonctionné comme ça en 2022. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Il y a longtemps, m'a dit, yo. On n'est pas qu'à la prison, la petite téléphonie, et puis nous pas qu'à qu'on qui ça l'a dit. Monsieur, nous mettons ferme l'obéi, ça que le juge, ça nous finit. On est en dans prison, nous connaissons l'app utiliser téléphone, l'app dirigeant gang en dans prison, et puis nous pas capable même mettre le sous écoute téléphonique pour enregistrer conversation que le gain avec moun qui dans la rue, pour nous connaître contenu messager, etc. Et puis nous disons faire justice. Hein? Son pillage. Bon, le fait que l'app utiliser téléphone en dans prison, son pillage Libano. Si nous avons fait l'État, si nous avons fait justice. Parce que l'utiliser des téléphones que nous connaissons téléphone yo. Vous n'êtes qu'à même bal on téléphone, faire exprès bal on téléphone même juste pour nous qu'à espionner. Mais faut que nous t'ayons mon cerveau, mon cap fait pays, mon cap fait justice. Et pas radoter ça pour nous dans notre tête police là, notre tête justice là. C'est bon pour pays nous ignorer. Nous plus quoi dans bêtise que nous croyons dans ça cap utile pays. Mesdames et messieurs, c'est comme ça. Ben là, y est pour Yon-Yon. Entre temps, Yon-Yon allait, mais monsieur continue à plaiter quoi dans le pays. Ok, bandit continue à plaiter quoi dans le pays. Y a kidnappé, y a touillé. Ben là, compliqué. C'est dans ce sens-là, il y a un collectif avocat qui a défendu droit dans le pays d'Haïti, qui a organisé une conférence de presse aujourd'hui. Il a dénoncé, dans le cadre de la conférence de presse, la situation de la vie en plein temps. Et les handicapés, surtout, ils ont demandé pour la police nationale d'Haïti pour prendre responsabilité pour permettre la population de vaquer avec l'occupation. Entendez, monsieur, qui t'a parlé, retournez. Je connais des policiers. Qui t'a bâillé vie pour aider la population. C'est vrai. Nous connaissons des policiers. Nous connaissons l'état major qui a fait tout ça capable. Mentissant, il y a presque 9 mois là pour pas fonctionner. Si quoi des bouquets, si Bidouaï, si Chada, si Marassa,
tourner Matissan, la société ou le pays sera asphyxié. L'homme dit asphyxié, ça veut dire ça. Économie pour le fermer. Maintenant, pour avoir plus de misère, pour avoir plus de problèmes, plus de monde a mouru. Phénomène gang, ça yo, conflit entre gang et armée, ça yo, il y a un impact direct sur le fonctionnement de la société. L'école pas fonctionner. Ou imagine ou phénomène ça et bataille entre gang ça fait 6 mois bien fait 7 mois pour l'école fait 7 mois de travail qui ça l'état dit dans ça qui programme yo gagne qui alternative yo gagne ou imagine ou un entrepreneur qui fait près la banque presque 200 000 dollars américains il investit à charge pas lui-même pour le banque là et puis phénomène ça pas de travail donc tout ça sont ensemble de problèmes que nous supposé résoudre, mais dirigeants ont supposé résoudre. Parce que si aucune décision célèbre n'est prise, et population va nous garantir, c'est nous qui payons ça. Nous allons regretter que nous sommes haïtiens, nous allons regretter que nous sommes vivants, nous allons faire colère, nous allons frustrer, nous allons énerver, nous allons exaspérer. Mais il faut que nous-mêmes, tout, j'aime toujours me dire, solution dans mon lit, solution dans mon cap de là. Parce que ou pis plus que mon cap dirige nous. Si nous pas prendre un mouvement collectif, si nous pas faire sortie collectif, si nous pas les amri, si nous pas forcer dirigeant yo quitter pouvoir ça. Maintenant pour ba monde qui capable, pour ba monde qui a résultat place là, c'est cadavre nous pas compter et petit nous pas jamais kawe et on futur meilleur, pas jamais kawe futur meilleur. Non c'est ça? Moi encourager des GPNH là. Redoubler d'efforts. Ou bien m'encourager autorité au plus haut sommet. Maintenant, pour yo établir des collaborations bien, mandé Conseil des Nations Unies, ou bien Conseil de sécurité, hein, proposer question, yon force étrangère pour accompagner la police nationale. D'ailleurs, ou attendez sous plusieurs médias, yon dit que la police yon sous-équipée. Pendant que ces 10, 15 rennes balayent par un policier, bandi an li menm se doum li gen. La, gen tan gon inadéquation. Ki rezultat bezwen policier bay s'il pa la 15 balles nan opération? Ki rezultat bezwen policier bay si Chablène del pa nan opération en panne gaz? Ki rezultat bezwen bay si Chablène del en panne transmission? Ki rezultat pa bay si caoutchouc machine pa l'opération a pété? Ki rezultat ou bezwen policier bay si pendant pa nan opération machine ou panne gaz? Là, on pense que ce pays n'a fait, messieurs. Il faut penser une autre politique. Il faut penser autre chose. Il faut penser au bien-être collectif. Il faut penser à la population haïtienne. Nous, même dans le niveau cadeau, collectif des avocats pour la défense de l'homme, qui a défendu le monde, c'est bataille, ça m'a mené. C'est veiller, n'a veiller au respect scrupuleux des libertés individuelles. Parce que ma deal, haïtien pas bête, haïtien moun, haïtien supposé vivre. Donc, moun, même j'en ouais. Français à l'aise pour dire français lié nous même dans niveau collectif là nous t'a remé que l'état qui vient pour prendre un pays là l'état qui pour mener bac pays là assurer que mon n'était handicapé que tu es non voyant que tu es aveugle que tu es estropié que tu es normal que tu es à fonctionner normal à deux pieds faut qu'il vive dans le monde et faut l'état à travers prérogatives que mon loi paye en Bali assurer que toute institution a fonctionné. Et puis pour chaque monde qui vit dans le monde, je dis à nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme défenseurs du monde, on est obligé de sortir de notre silence parce que ce qui se passe en pleine est catastrophique. Et on va comprendre que c'est la première fois depuis que le peuple ici a vécu une situation comme ça. En dedans, on caille seulement de 5 monde, de femmes enceintes, de couper tête mounio. Le tuer femme cette heure tout petit bébé qui est dans la voiture. Donc situation ça alarmant. Dans pile monde qui blessé, dans pile monde qui mouri, yo même parlé de question de 39 morts si je ne m'abuse. L'école pas qu'à travail, l'hôpital pas qu'à travail, business fermé, elle dit marché pas fonctionner. Maintenant moun yo obligé quitter espace côté t'a vivre là, yo al vivre sous place publique. Puis elle vit dans la rue, puis elle dormit à même le sol. Et ça, qui peut exposer à des dangers, des maladies infectieuses, tout de suite, ou fio,
et des cas de banditisme, d'actes de banditisme de la part de délinquants. Nous pas arrêter dans le silence, nous, parce que, écoutez, le monde, dans le niveau plein, parce que nous connaissons pile citoyens paisibles qui travaillent, qui prennent 10 ans, qui prennent 15 ans, qui prennent 20 ans, puis ils semblent un petit coup pour la chute de la plaine, qui construit, fait 20 ans pour construire, maintenant pour une minute, pour un jour dans 24 heures, moun sa obligé de quitter la zone parce que bandit empêche de vivre. Maintenant, est-ce que c'est dans bas fond nous rivé comme peuple haïtien? Ou bien est-ce que c'est pays à que dirigeant ou quitter par bandit? Est-ce que c'est pays à dirigeant ou quitter par gang pour que moun yo, pour que citoyen paisible ça, pour que citoyen qui fait effort ça, obligé de venir vivre dans situation, yo pas même qu'à sauver un rien, c'est anti-valise. Si moun nan men y a couru pied à terre puis ouais s'y a sauvé la vie. Et je dis encore comme défenseur de moun, nous obligé rele en vrai devant caméra parce que moun sa yo pa gen moun yo parler pour yo. Et ça qui du même on note gouvernement pas fait sorti pour dire mais qui disposition qu'a prend. Même on note soi-disant CSPN ça pas fait sorti pour dire mais qui mesure c'est l'heure que après. Et situation un peu compliquée parce qu'on dirait que pays n'a pas dirigé. On dirait que pas gen moun nan tête li. On dirait que pas gen ministre justice. On dirait que pas gen ministre défense. Maintenant pour qui ça dirigeant pays qui était tout zam ça rentré. Maintenant qui ça qui empêche réagir rapide? Qui ça qui empêche au mater gang ça? Qui ça qui empêche au mettre la paix, mettre stabilité en dedans communauté haïtienne? Est-ce que n'a quitté moun qui fait 20 ans à travailler à 1000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes pour construire en deux chambres, est-ce que n'a quitté, a dit perdu tout bien ça? Mais on dirait que dirigeant rassemble toutes conditions pour chaque haïtien mourir. Par contre, moun qui vivent, même quand moun la peine a souffert en pile, gen moun qui crié, gen moun petit se mari rien, moun petit se mari vote, situation compliquée et nan sans ça. Nous-mêmes, nous pas qu'arrêter silencieux, nous pas qu'arrêter les bras croisés, nous obligés de parler pour eux, parce que fuck communauté internationale. Même deal, nous faisons intervention dernièrement là, la police nationale est débordée. Il faut une intervention étrangère. Il faut une intervention étrangère qui pourra permettre d'accompagner la police au fin de mater ces gangs. La police ont senti que malgré tout effort qu'ils ont déployé, mais la situation les dépasse. DGLB a fait un pile travail, ce que me connaît, mais situation, nous pouvons jouer un résultat de besoin. Eh bien, faire appel et nous demander Conseil des Nations Unies pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, Chita, rap, pressé, pour envoyer une force étrangère, maintenant pour venir accompagner la police et mettre fin à un phénomène gang. Dollar monté, pas de santé. Ce matin, on vient de kidnapper un docteur à l'entrée de Taraz. A dit phénomène kidnapping n'a pas besoin. On dirait nous non carcan, nous non situation difficile. Et si n'a pas gardé phénomène gangsterisation, l'ère métropolitaine est en train d'être encerclée. Nous thématissons, nous passons cité soleil, nous avons pu boire, nous avons fait la montée de frère, mais nous avons l'autre de boire viré Pétionville et puis nous encerclés. A dit phénomène gang ça, si moun qui dit au mini justice, si moun qui dit au ministre défense, si moun ki di au premier ministre pas agi dans les 24 heures, dans les 72 heures, nous pral bay raison à l'estimable et honorable professeur Michel Soukart qui dit pour entrer la caillou, son gang pour demander autorisation. Et là, nous vivons dans une société côté que dirigeant bien perdu, dirigeant a touché, dirigeant bien salaire, mais pas de résultat. Population laissée pour compte. Moi-même, comme avocat, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous obligés de tirer la sonnette d'alarme, encore une fois. Pour nous dire, population, mes amis, faut nous commencer à relâmer, faut nous commencer à faire sortir revendication, parce que nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à accepter vivre dans des conditions pareilles.